Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Heureux de vous retrouver. Je vous propose un nouveau rendez-vous en vous proposant 5 idées recettes, que ce soit des entrées, des plats, des desserts. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je pourrais mettre un peu plus d'entrées, un peu plus de plats ou un peu plus de desserts, suivant vos choix. Et je mettrai ces vidéos le dimanche soir. Mais là encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez d'autres jours. Il n'y aura aucun problème pour faire le changement. Je commence donc avec un velouté de légumes, une recette de soupe à l'ancienne. Alors la vidéo est un petit peu, elle aussi ancienne, mais cette soupe est vraiment délicieuse, je vous la recommande. Je vous propose également comme entrée un cake aux olives, jambon, fromage et noisettes. Très facile à réaliser et en général tout le monde aime ça. Place au plat principal. Je vous propose la référence, le pot-au-feu assez classique avec ses légumes. En plus, vous pouvez utiliser le jus de celui-ci pour faire une délicieuse soupe, donc je vous le recommande également. Pour la deuxième recette, je vous propose des hamburgers maison. Une fois que vous y aurez goûté, vous n'aurez plus envie de manger autre chose que ceci. C'est une recette assez ancienne, je vous l'avoue, mais elle mérite d'être connue. Pour le dessert, j'ai choisi le gâteau au yaourt pour commencer cette session parce que c'est facile à faire, parce qu'en général tout le monde aime ça et en plus ça se garde assez longtemps donc c'est très pratique. La vidéo se termine sur cette petite image. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, le pouce en l'air bien évidemment, ça m'aide énormément. J'espère que cette nouvelle version vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie et je me ferai un plaisir de vous mettre tout ça. À bientôt sur Comment fait-on? Salut!